Bon, bonjour à tous. Bon, nous allons parler de l'observatoire Henri Mott. Alors, déjà pour vous, qu'est-ce qu'un observatoire Henri Mott ? Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? L'observatoire est loin de moi. Voilà. En fait, voilà, c'est un observatoire qu'on va piloter à distance. Alors, il existe, en gros, on trouve deux types d'observatoires en remote. On trouve des observatoires en remote, soit avec une coupole, comme celui-ci, et on trouve également des observatoires, comme celui-ci, à toit coulissant. Alors, les deux ont des avantages, et il y a des avantages et des inconvénients pour chaque, mais généralement, le toit coulissant a en termes de coût pour à petite échelle est quand même beaucoup plus facile à réaliser. L'inconvénient du toit coulissant, c'est effectivement la position des instruments lorsque le toit s'ouvre et se ferme. C'est pour cela qu'on trouve sur certains, comme celui-ci, on trouve un toit qui va s'ouvrir complètement et avec un pignon qui est amovible, ce qui va permettre de refermer le toit, en fait, quelle que soit la position de l'instrument. Parce que le problème des observatoires à distance qui ont un toit coulissant, bah, c'est qu'il ne faut pas que l'instrument puisse taper dans le toit quand il se referme. Donc c'est pour cela que ce genre d'observatoire est intéressant avec un pignon amovible. On peut refermer. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'un observatoire en remote, donc, comme on vient de le dire, est un observatoire qu'on va pouvoir utiliser à distance. Et moi, ce que j'appelle surtout, dans sa définition, c'est autonome. Alors j'ai mis autonome entre guillemets, tout simplement parce que il va fonctionner quasiment tout seul, mais pas à 100%. Il va surtout permettre de faire des sessions de nuit, ce qui va nous permettre de dormir pendant que ça tourne, et surtout se gérer tout seul. C'est-à-dire que comme on n'est pas à côté de l'observatoire, il faut bien comprendre que s'il y a un problème informatique, ou électrique, ou météorologique, il faut que l'observatoire puisse se refermer automatiquement. C'est ça le point important dans un observatoire qui est piloté à distance, qui se trouve ailleurs, c'est que, effectivement, si pendant la nuit, on a une dégradation météo, ou un problème informatique, la sécurité, c'est le matériel. Donc il faut que le toit puisse se refermer ou la coupole puisse se refermer automatiquement. Pour cela, ben, il existe différentes solutions, il existe différents outils que l'on va parler, hein, que je vais vous montrer, et qui vont permettre justement cette solution. Alors dans un observatoire, que ce soit en remote ou pas, ou dans le jardin, ou à 3000 km, ou à 10 000 km. On va donc retrouver effectivement l'instrument qui va nous servir à faire une photo. Par contre, il va falloir obligatoirement un système de mise au point pilotable par ordinateur, une monture également pilotable par ordinateur, notre caméra d'acquisition, avec ses filtres et wifi. J'ai mis entre guillemets couleur parce que je sais qu'il y a des irréductibles qui ne veulent pas s'embêter avec des films. Et une caméra d'auto-guidage. La caméra d'auto-guidage, je l'ai mis à la fin tout simplement parce que de nos jours, on commence à trouver des montures, en fonction des budgets que l'on a, on commence à trouver des montures où sur des pauses inférieures au quart d'heure, ou égales au quart d'heure, voire 20 minutes pour vraiment le regard, où on n'a plus besoin d'auto-guider. Mais ça reste quand même du matériel. Je dirais qu'il n'est pas à la portée de tout le monde. Financièrement, c'est des montures qui coûtent relativement cher. Alors, dans un observatoire en remote, voilà un peu l'architecture, on va dire informatique, de l'observatoire. Déjà, on va partir ici, du modèle. Il est bien évident qu'il va falloir se connecter à l'observatoire. Donc pour se connecter à l'observatoire, ils font donc une liaison Internet. Et chose très importante, ici je vous ai rajouté une petite prise. En fait, souvent ce qu'on oublie ou ce qu'on ne pense pas au début,
c'est de pouvoir éteindre et rallumer le modem à distance. Bah oui, c'est bien joli d'avoir Internet, mais c'est de l'informatique et c'est jamais fiable. Ça tombe rarement en panne, c'est rarement planté, mais ça arrive. Donc, en fait, il faut avoir... C'est une prise, en fait, avec une carte GSM. On a la chance, maintenant, d'avoir des abonnements GSM pour 2 euros qui marchent très bien. Ça va permettre, effectivement, de pouvoir éteindre la box et de la rallumer à distance en envoyant un SMS. Ça, c'est assez important parce que, je vous dis, ça arrive. Ensuite, eh bien, on va trouver quoi? On va trouver l'ordinateur qui va gérer tout ça. Sur l'ordinateur, vu que l'on se trouve, vu que l'observatoire doit, entre guillemets, être autonome, on va avoir ce qu'on appelle un field watcher, c'est-à-dire un système de surveillance météo, qui lui, on en reparlera tout à l'heure, soit il renvoie les données vers un logiciel qui va refermer le toit, soit, pour ceux qui ont vraiment peur, il possède un relais qui va permettre de refermer le toit dès que ça se dégrade. On parlera des avantages et des inconvénients de cela. En option, ce que l'on peut mettre, c'est une caméra all-sky. Une caméra all-sky, c'est une caméra qui va vous permettre de voir le ciel en réel. Là, le Cloud Watcher, on verra tout à l'heure, il vous donne des informations sur le ciel. Donc il faut un peu savoir où on se trouve, et bien se faire un abac en fonction des températures, en fonction de la saison, en fonction du mois de l'année, on aura des différences de température de fond de ciel. La All Sky, elle, c'est une caméra, donc bah, effectivement, nous, moi dans mon cas, au Portugal, quand on arrive très bien à voir la Voie lactée, c'est vraiment une caméra, c'est comme si on faisait une photo. Quoi, hein. La caméra All Sky vous fait des pauses de 1 minute en pleine nuit, et ça permet déjà de voir effectivement si on a des nuages de traîne ou pas. Après, on peut avoir, en fonction du système de motorisation que l'on va adopter, on peut avoir une carte effectivement qui va nous gérer l'ouverture et la fermeture du toit, en plus du moteur. Ça, c'est une carte qui est gérée également, pareil, par un driver ASCOM. Ensuite, on a la partie imagerie, donc la monture, caméra, ouais, filtre, hein, le truc classique, focuseur, voilà. Ça, c'est le truc classique et qui est évident d'avoir, qui est pilotable par ordinateur. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, une fois qu'on a fait on a la partie météo et acquisition, il y a une chose que l'on peut rajouter éventuellement, c'est une caméra à un IP intérieur, à l'intérieur de l'observatoire, ce qui va nous permettre de voir éventuellement à la position de la monture, s'il n'y a pas de souci, si ça se passe bien. Là, j'y reviendrai après. J'ai rajouté un Synology. Un Synology, c'est quoi? C'est un disque dur, en fait, on va dire. C'est ce qui va permettre de sauvegarder les images pour ensuite les rapatrier. Alors, ça, c'est une option. Alors, soit vous le mettez chez vous, soit vous le mettez dans l'observatoire. Il y a deux écoles. Ça a bien progressé, donc on peut éventuellement le mettre chez soi et faire un transfert directement du PC au Synology. Après, et inversement, on peut le mettre chez soi ou on peut le mettre dans l'observatoire et faire inverse. Pour ça, c'est chacun qui. Et pour ceux qui veulent vraiment mettre un maximum d'informations lors des prises de vue, on peut éventuellement rajouter un SQM mètre. Hein, le SQM, c'est l'appareil qui permet de mesurer la noirceur du ciel. Voilà. Je dirais que c'est une option. Moi, perso, je ne suis pas... C'est pas indispensable. Je pense que la OSKY est plus utile que le SQM mètre. Après, comme je dis, chacun est... Voilà. Donc là, je vous ai mis tout ça sur la droite. C'est parce que cette partie-là, ce sont des éléments qui sont en RJ45, sur le réseau, en fait. Et cette partie-là, c'est USB. Et la dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est ce petit boîtier-là, qui est un IPX. Alors un IPX, c'est quoi? En fait, c'est une carte relais avec interface web intégrée. C'est-à-dire que lorsque la connexion est établie, vous avez accès à ce boîtier-là directement avec son adresse IP ou en IP fixe ou par le biais de l'ordinateur.
Alors, cette carte, ce boîtier-là, il a un très très gros avantage, c'est qu'il utilise, bon, il reconnaît le langage machine-to-machine, il est capable de, il intègre des timers, il intègre des heures, on a la possibilité de piloter par le biais d'horloge les sorties. Donc c'est un boîtier qui possède 8 sorties, 8 entrées numériques, bon, 8 sorties analogiques, pardon, et 8 entrées numériques, des entrées analogiques, et on peut mettre des extensions au besoin. C'est vraiment le cœur, on va dire, c'est avec le boîtier, avec le CloudWatcher, je dirais que c'est les deux choses vraiment indispensables en termes de périphériques pour réaliser un observatoire piloté à distance. Alors comment ça se passe un peu, hein, en un peu plus un peu, dix présentations différentes, si vous voulez. On a l'alimentation générale 220 qui est issue du secteur ou d'onduleur si on est sur batterie. On a donc notre fameux relais téléphonique qui va permettre d'éteindre et de réinitialiser le modèle. Et on va avoir une ou des alimentations 12 volts qui vont alimenter la météo, qui vont alimenter le moteur et l'IPX. Et le fameux IPX, lui, va s'occuper de démarrer tout ça, également de piloter le moteur. Alors, comment ça se présente? En fait, si vous voulez... Ah oui, on va continuer, je vous montrerai. On fera après, excusez-moi, on fera après les détails. Le CloudWatcher, c'est bien joli, mais c'est quoi exactement? Alors, en fait, c'est un boîtier comme ceci, qui est composé d'un détecteur de luminosité, d'un détecteur de pluie et d'une photopile qui émet un rayon dans la bande des 14 nanomètres qui va faire une mesure de température en altitude. Donc en gros, pour faire simple, plus la température du fond de ciel est faible, mieux le ciel est dégagé. Pour donner un ordre d'idée, en hiver, on a couramment des températures de fond de ciel de moins 25, moins 26. En été, on va être à 1 degré, 2 degrés. En fait, ce qu'il faut, c'est arriver à se faire un ABAC. Alors, bien entendu, la première année, c'est compliqué, parce que, au début, quand on démarre, on ne sait pas trop où on va, mais avec l'expérience, avec les indications, on arrive à trouver, avec les photos, quand on fait des pauses pour le focus avec les WHM, on sait que, quand là, actuellement, nous, au Portugal, on sait qu'on tourne à moins 19. Moins 19, la nuit est bonne. Moins 15, on ferme. Donc en fait, si vous voulez, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai les réglages. En fait, il faut arriver à faire un ABAC pour savoir, pour connaître les conditions au niveau nuage, je parle. Le reste, pluie et luminosité, ça on n'y touche pas. Ça c'est réglé par le fabricant, on n'y touche pas. Alors pourquoi luminosité? Bon, la pluie, on sait très bien pourquoi. Dès qu'il pleut, ça se ferme. Donc généralement, ça se ferme avant, avec les nuages. Quand on règle bien son appareil, ça se ferme avant que la pluie arrive, évidemment. Et la luminosité, c'est une sécurité supplémentaire. C'est une sécurité entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir éventuellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je blaguais de ça, il fait beau, on va au resto, on est invité, c'est pas grave. On démarre à 5 heures, on se connecte à l'observatoire, on dit ce qu'on va faire, on appuie sur le bouton, et dès que l'heure arrive, si effectivement la luminosité, quand la luminosité est suffisamment faible, et qu'il ne pleut pas, et qu'il n'y a pas de nuage, ça va démarrer. C'est ça. Ça va permettre, ces outils-là vont nous permettre d'automatiser au maximum les sessions et donc l'observatoire. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. En fait, ici, vous allez dans la fenêtre de gauche, vous avez les limites, et c'est ici que vous rentrez, en fait, les limites au niveau des nuages. Vous voyez ici, on n'y touche pas, ça c'est réglé. C'est là, non, on va mettre moins 5, là vous voyez, c'est marqué moins 5 et 0. Ça veut dire qu'à partir de moins 5 degrés, il considère que le ciel est clair. En dessous de moins 5, c'est nuageux. Au-dessus de 0, c'est très nuageux. Alors ça va servir à quoi? C'est-à-dire que le CloudWatcher, lui, et ça vous sort des graphiques comme ceci, vous voyez, pour la luminosité, fenêtre de droite, et bien à partir de 20h et quelques, la luminosité a commencé à baisser. Et on était une nuit noire jusqu'à 7h du matin. Le CloudWatcher, lui, il a deux possibilités. Je parlais de ça tout à l'heure. Je disais qu'avec le CloudWatcher, on avait deux options. On avait l'option informatique, c'est-à-dire que le logiciel du CloudWatcher vous génère un fichier.
hein, au format CSV, en fait, c'est un fichier où sur une ligne, il va vous écrire toutes les données. Toutes les 10 secondes, 30 secondes, c'est vous qui le programmez, vous générez une nouvelle ligne. Et il y a des logiciels qui sont capables de lire ce fichier pour pouvoir piloter l'observatoire, pour pouvoir piloter le toit et mettre la monture en parc. Ou alors, si vous n'avez pas, si vous êtes un peu réticent à l'informatique, vous allez dire, ouais, mais moi j'ai du matos, de toute façon, s'il fait mauvais, c'est qu'il vaut mieux que la nuit soit foutue plutôt que de réouvrir. Le CloudWatcher possède un relais. Et ce relais-là, il est monté intelligemment, c'est-à-dire qu'il est monté en toute sécurité, c'est-à-dire qu'il est contact fermé quand il y a un problème météorologique, un problème informatique ou un problème électrique. J'entends par là que dans l'observatoire avec la coupole que vous avez au début, là, c'est mon observatoire. Moi, ce que j'ai fait, j'utilise le relais et j'ai des batteries qui sont branchées sur le secteur uniquement pour le signe. Elles ne servent qu'au signe. C'est-à-dire que si jamais j'ai un problème informatique, le CloudWatcher, bah, il ne voit plus la connexion informatique, le relais passe à l'état zéro, le relais se décolle, donc le contact repos, j'ai le 24 volts qui part au signé, qui referme le signé. S'il y a un problème météo, le relais, bah, il repasse à l'état de repos, pareil. S'il y a un problème électrique sur l'alimentation de l'observatoire, le CloudWatcher n'est plus alimenté, donc le relais, comme en temps normal, il est sur on, bah, l'air passe sur zéro. Dès que le contact passe à l'état au repos, j'envoie les 24 volts pour fermer la coupole. Ça, c'est une option. Au Portugal, on fait confiance à l'informatique. C'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de l'informatique, on va dire entre guillemets, de plus en plus fiable. Donc on utilise le fichier, c'est le logiciel qui lit le fichier et en cas de souci, il referme. Ça va pour l'instant, des questions à ce sujet-là? Pour l'instant, non, on continue. Ah, le fameux IPX. Alors voilà comment ça se présente, un IPX. Donc en fait, vous avez ici les contacts sortis. Là, vous avez des entrées analogiques que vous pouvez utiliser. Et là, des entrées numériques. En fait, les relais, ce sont des petits relais de 120 volts, mais ce sont des relais pas très puissants pour des raisons de sécurité. Il est préférable d'utiliser les sorties pour commander des relais de puissance un peu plus costauds, si vous voulez. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est que on commande des relais 12 volts, qui eux vont laisser passer du 12, du 24, du 48 ou du 220, selon les interfaces que l'on va avoir à commander. Et en fait, on utilise des contacts, des relais à plusieurs sorties, ce qui vont nous permettre de renvoyer des informations sur les entrées pour indiquer l'état du relais, s'il est bien sur on. Alors pourquoi? Parce qu'on peut très bien avoir envoyé un ordre de commande, mais on ne sait pas si l'IPX marche ou si le relais a un problème. Donc le fait de renvoyer une information quand le relais y colle, ça nous permet d'être sûr qu'il y a du jeu en sortie du relais. Alors, ça se présente comment? Ça se présente comme ceci, vous voyez. Vous avez l'interface web, donc à la base, effectivement, c'est vide, hein, c'est marqué relais 1, relais 2, relais 3, donc c'est à vous. Donc, c'est entièrement personnalisable, les entrées et sorties. Donc là, c'est l'exemple de l'observatoire qui se trouve au Portugal, où on a un premier IPX qui, lui, gère en fait l'intégralité de l'observatoire. C'est un IPX qui nous permet d'envoyer le 12 volts sur les pieds et le 220 sur chaque pied. Donc on a 4 relais parce qu'il y a 4 pieds, et on a 4 relais 220 pour envoyer le 220 sur les autres pieds. Donc vous voyez, on peut prédéfinir des entrées, on a le timer et on a les paramètres internet et le langage machine to machine. Alors ça, c'est très intéressant parce que le timer, par exemple, si vous ne voulez pas être embêté, vous pouvez très bien programmer des heures de démarrage et des heures d'arrêt. Voilà, tout simplement. Donc on va de plus en plus. Là, par exemple, alors je vous ai mis du blanc ici, j'ai effacé ici. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui louent un pied là-bas, donc je vais mieux rester discret. Et eux, par exemple, ils sont en tout automatique. Eux, ils s'embêtent pas. Il y a un des deux est informaticien, il a carrément écrit des scripts. Ça marche tout seul. Dès qu'on leur envoie dès qu'on envoie un SMS pour dire que le toit va être ouvert,
il active son script en après-midi, il l'active et puis terminé, il s'embête même pas à regarder si ça marche. Tout est automatisé. Après chacun, moi je suis pas pour, mais il y a un minimum. Et voilà, alors voilà l'exemple tout bête d'un IPX, de la FSQ qui est au Portugal. Là. Donc vous voyez, donc le premier relais lui commande la caméra, la voie field, le deuxième la monture et le focuseur. Celui-ci commande le volet qui va venir fermer obstruer l'entrée de la lunette pour la poussière. Et ici, le relais qui va mettre en route le PC. Voilà, le NUC. Voilà, on utilise des NUC. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire. C'est vraiment. Donc une fois que le courant est établi, l'ordinateur démarre. Et puis après, on prend la main sur l'ordinateur. On va en parler après. Et on va pouvoir faire pareil qu'on fait dans le salon, quand on est dans le jardin ou dans le salon avec un câble hydraulique. Après, c'est l'informatique, hein, c'est les logiciels qui vont gérer tout ça. Il y a un IPX pour chaque partie électrique et un non. IPX pour alors, chaque... On a un IPX, on a un IPX, nous, alors comme nous on gère même pas 4, 5, comme on gère les 5 pieds, on est obligé d'avoir un IPX pour amener le courant sur chaque pied. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement pour permettre de faire un reset à la base en cas de problème. Parce que si jamais il y a un IPX qui est planté, si on n'avait pas fait ça et qu'il y a un problème, on ne peut pas éteindre. Il faut qu'on demande au gars qui est sur place, vas-y, monte, débranche le courant. Donc on a préféré mettre un IPX pour la servitude. Et de toute façon, l'IPX servitude, il gère également le poids. Bon, il n'est pas représenté ici parce que c'est une extension. Je pouvais pas, j'allais pas vous mettre tout l'installation complète. Donc l'IPX servitude, il gère également. Il y a une extension 8 relais pour gérer le volet. Alors, il y a le volet, il y a la fermeture du toit et il y a un autre volet qui va arriver bientôt. Voilà. Donc si vous voulez, l'IPX servitude, c'est pour la gestion des années. Comme ça, si jamais s'il y a un IPX qui est planté, le gars il appelle, il me dit ah, mon IPX, moi j'ai le pied numéro 3, l'IPX c'est pas, j'arrive pas à me connecter, il est planté. Nous on peut couper à distance, on coupe le courant sur le pied, le 200, ou l'ordi par exemple, qui a besoin de l'ordi, on ne sait pas ce qui se passe, on peut couper le courant. Voilà. Et après, alors quand on a, moi dans mon observatoire, j'ai un seul IPX pour tout. Dans mon observatoire sur la côte nord, moi j'ai un IPX qui coupe tout. Le 220 il arrive en permanence. Et l'IPX est allumé en permanence. C'est très peu, c'est plutôt drôle, c'est de l'informatique. Hein. Et depuis 20 ans, il n'a jamais cramé. Hein. Jamais tombé en panne. Hein? C'est le même depuis 20 ans. Ah, c'est le même depuis 20 ans. Ah ouais. Bon, ça c'est le même depuis bientôt 20 ans. Parce que c'était pour... Ah ben non, non, depuis 20 ans, parce que je vais avoir 61 et c'était pour mes 5 ans. Oui, c'est ça. C'est le même depuis 20 ans. Oui, pour mes 50 ans, j'ai 61. Ça va faire 21 ans qu'il est en route. Bon, pas tout à fait parce que c'était en pharmacie. Non, non, mais c'est relativement fiable. J'ai les collègues qui ont ça aussi. Et donc voilà, au Chili, c'est ce qu'ils ont. De toute façon, tout le monde utilise ça. Pour info, ça coûte 180 euros. Un IPX, 180 euros. Voilà, 180, enfin pas du tout, mais à quelques euros près. Donc ça reste par rapport à un instrument ou un ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est pas ça le plus cher. Donc voilà. Et donc je vous dis, pareil, l'avantage c'est qu'il y a des timers. Donc moi par exemple, j'ai mis, moi je suis un peu, je sais pas où ça vient, mais je suis un peu sécurité. Donc j'ai également programmé l'IPX pour qu'à une certaine heure le toit se referme. Donc il y a le club, il y a l'informatique, et moi j'ai rajouté l'IPX. Non, c'est mon appli, ça ne t'inquiète pas. Normalement, je l'ai jamais retrouvé ouvert. Mais bon, alors, les outils de connexion, bien entendu, voilà, il faut se connecter. Donc, concernant la connexion du PC, ça je ne vais pas vous l'apprendre, il y en a qui connaissent déjà. Vous avez les trois principaux outils de connexion, c'est AnyDesk, TeamViewer et Radmin. Radmin est payant. TeamViewer, il y a une partie gratuite, mais en fait, ils analysent le temps que vous passez sur. Ils pistent les adresses IP. Et si vous vous connectez très souvent, il vous déconnecte. C'est automatique. AnyDesk est un peu plus... AnyDesk est sympa, c'est qu'ils ont mis
une page où on peut s'inscrire en disant qu'on est vraiment un particulier et que c'est pour piloter un observatoire ou pour piloter sa maison. Et là, moi, depuis 3-4 mois, on a rarement des déconnexions tempestives. Mais bon, il faut bien savoir que, en théorie, on se connecte pendant 20 minutes, le temps de démarrer, voir si ça marche bien. Après, on ne reste pas connecté. Enfin, du principe où ça marche. Donc, on y va de temps en temps. Moi, je sais qu'on y va. J'y vais à me coucher, si je me réveille dans la nuit, le collègue y regarde, voilà. On n'est pas obligé de... Ça ne sert à rien de se rester connecté en permanence, de toute façon. Radmin marche très bien. Alors là, Radmin, je vous disais, l'avantage de Radmin, c'est si jamais les autres deviennent payants, c'est que l'avantage de Radmin, pour les particuliers, c'est une licence à vie. Donc vous avez le droit à une licence qui coûte 50 euros et c'est à vie. Ça marche bien. Par contre, l'inconvénient de Radmin, c'est qu'il faut une IP fixe. Sinon, il faut utiliser Radmin VPN, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus lourd. Mais bon, avec des ou alors passer par nos IP avec un DNS. Voilà. Alors, le pilotage. Ah, le pilotage. Là, on rentre dans le nerf de la guerre. Et là, personne sait, personne. Tout le monde vous dira que tel logiciel est meilleur que l'autre. Donc, c'est pour ça que je les ai tous mis. Donc, en fait, vous avez. Pour Windows, vous avez Prism, qui lui est complet, qui a l'intégralité du pilotage. Vous avez MaximDL et SkyX Pro, qui eux nécessitent l'adjonction d'un logiciel supplémentaire. Et le logiciel supplémentaire, c'est un petit logiciel qui a été écrit par Petit, en termes de... c'est pas très volumineux, je veux dire, mais c'est qui a été écrit par Laurent Bourbon, qui s'appelle MaxPilot. Et effectivement, qui lui, MaxPilot, va vous piloter bah, soit MaximDL, soit SkyX Pro. Et puis bah, pour ceux qui préfèrent, il faut trouver des solutions sur Indie, sur Linux et tout ça. Là, moi je t'attendrai pas, je tiens là-dessus parce que je ne suis pas informaticien, je ne me suis jamais mis dans Linux. J'ai la chance d'avoir une licence SkyX Pro parce que j'avais une parano. Donc pourquoi faire compliqué qu'on peut faire simple. Donc voilà. Donc SkyX, piloté par MaxPilot et. Ah oui, j'ai oublié un. C'est FocusFax, le logiciel pour la mise au point. Alors ça, je tiens à vous en parler, malgré qu'il soit payant. Il faut savoir que c'est un logiciel, certes, qui est payant, qui coûte 149 euros, dollars, pardon. Mais par contre, il faut savoir qu'il est utilisé, même, d'après ce qu'il se dit, par des professionnels. Pour moi, c'est le meilleur logiciel de mise au point automatique qui existe. Il est rapide, il est vraiment phénoménal. On a essayé plusieurs, on a essayé SkyX Pro, on a essayé la mise au point par différents logiciels, et il n'y a pas photo, Focus Max et des années-lumière de. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur comment. Alors, c'est un peu compliqué de faire une présentation là-dessus parce qu'il y a tellement de choses. Donc, c'est pour ça, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il ne faut pas avoir peur. Claude, tu avais une question, je crois. Oui, j'en ai pas une, mais j'en ai plusieurs. Bonjour, Claude. Salut tout le monde. Salut. Alors, j'en ai plusieurs dans l'ordre récursif, puisqu'on a parlé de FocusFax en dernier. Est-ce que FocusFax permet de faire de gérer une mise au point sur plusieurs étoiles simultanément? Ah non, pas. Comment on fait sur l'ASIR, par exemple? Non, Focus Max, il fait le focus sur l'étoile qui est centrée, en fait. Voilà, d'accord. Ok. Mais ça, c'est pas l'autoguidage, c'est l'autofocus. Là, on parle du Focus Max, c'est pour la mise au point. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour la mise au point, c'est pour, ouais. La gestion du focus. Oui, tout à fait. C'est sur l'étoile. En fait, on centre une étoile et il fait sur l'étoile la plus lumineuse dans le champ, qui est généralement une étoile. Pour déroger un petit peu à la règle, on peut décaler l'étoile sur un tiers du champ, par exemple, pour faire la mise au point. Non, de toute façon, le but. Oui, c'est plus rapide. C'est plus rapide. Il trouve plus facilement l'étoile. Parce qu'en fait. Lors de la mise au point, on fait, nous, ce qu'on pratique, c'est on fait une astrométrie de toute façon. Donc on lui dit en fonction du filtre que l'on va utiliser pour la mise au point, disons qu'on va utiliser pour imager. Donc si on décide de faire des poses en H-alpha, on va donc faire le focus sur le filtre H-alpha.
Donc le logiciel Max Pilote demande à la monture de se positionner sur telle étoile, d'aller sur une étoile donnée en fonction du filtre on associe une magnitude. Donc la monture va sur cette étoile. Ensuite, Max Pilote demande à moi dans mon cas à SkyXPro de faire une astrométrie. Donc il met le filtre luminance, il fait une pause, il fait l'astrométrie, il recale la monture pour que l'étoile voulue soit dans le centre du capteur. Et à partir de ce moment-là, il lance Focus Max, le focus sur Focus Max. Il passe en filtre H-alpha et il lance le focus. Mais le focus, autant le guidage sur plusieurs étoiles, je pourrais comprendre l'utilité, autant le focus, je ne vois pas l'utilité. Ben, je pensais à la courbure de change. Bah ben, ouais, mais comme on est focus, comme on est sur le centre. Il y aurait une mise au point nickel vraiment en plein centre, du coup, hein, mais par contre, peut-être d'avoir des soucis dans les coins. Bah ben, oui, mais ce qui est important. Bah ben, oui, mais ça, jouer sur le focus pour améliorer les coins, ça c'est également défocaliser le centre. Oui, absolument, mais tu peux te placer dans une position moyenne de façon à avoir une cote mal taillée, tu vois ce que je veux dire. Bon, ouais, mais l'idéal c'est de. Acceptable au coin. C'est toujours pareil. C'est ça la différence. Après, mais sur un grand champ, généralement sur des photos grand champ, on utilise généralement des lunettes que des télescopes. Voilà. Donc une lunette digne de ce nom, même avec un capteur 36-36, elle est parfaitement corrigée. Ben voilà, donc nous on a rarement croppé sur avec la FSQ, on n'a jamais croppé. Même sur un 24-36. Hein, donc, Non mais je pense aux gens qui n'ont pas qui ont des instruments chrétiens ou des choses comme ça. L'AstroCib qu'on a mis en place en octobre, on n'a pas de soucis. Alors si on. Ah oui, alors tiens, je ne sais pas si on va le voir. J'ai un système comme ça, un mini PC. Un mini PC. Ouais. Comment on appelle ça? Un Pegasus. Oui, c'est un Pegasus avec un PC au-dessus, là. En dessous, en blanc. En dessous, oui, le Pegasus, je connais. Hein. Pegasus, et puis un mini PC au-dessus. Ouais. Ce que tu préfères. Oui. Donc quand tu disposes d'un truc comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui convient finalement d'ajouter? Il reste quand même quelques petites choses dans ce que tu as dit, hein, finalement. Il faut l'IPX d'une façon. Hein, ça, oui. Ça, c'est indispensable. Voilà, l'extinction à l'image de la prise à distance aussi. Bah oui, il faut pouvoir éteindre et allumer le modem au cas où, oui. Voilà, puis sinon, je me demande à partir de là, parce que tu commandes beaucoup de choses à partir de ça. T'as des sorties 12 volts. Oui, tout à fait, t'as les sorties 12 volts, oui, bien sûr. T'as des sorties 12 volts pour les... Pour les résistances, oui, non, mais on a ça aussi au Portugal. On a ça aussi au Portugal, on a des Pegasus. Hein. Ah, tout le monde, oui, ok. Ah non, mais ça, le Pegasus, l'avantage, ça, le Pegasus, si tu veux, ça remplace pas un IPX, mais surtout, le gros avantage du Pegasus, c'est en cas de plantage, tu vas pouvoir, sans avoir à tout redémarrer, tu vas pouvoir couper les USB et les réinitialiser, c'est surtout ça le gros avantage. Ouais, et le deuxième avantage, c'est que les sorties résistance, tu vas pouvoir les gérer avec la sonde d'humidité qui est fournie. Ouais, pour ne pas avoir les résistances qui sont à fond en permanence. Vous conseillez d'avoir ce système. Le Pegasus est un bon outil. Malgré son prix, c'est un bon outil. Voilà. Les gens qui utilisent des Azir Plus et tout ça, ils peuvent s'en sortir aussi ou pas? Je ne sais pas. Là, Joker, je connais. Le problème, voilà, le problème que j'ai, moi, c'est que je connais que l'informatique classique, quoi. Le NUC, le PC industriel, et trucs comme ça. On a personne qui travaille nous là ici. Même moi, en nomade, j'ai un Pegasus et un mini PC avec un point d'accès Wi-Fi. Tout ça, c'est fixé sur la lunette, sur l'instrument, et puis le télescope, parce que c'est une platine que je mets dessus.
J'ai jamais voulu m'embêter avec ASI parce que le problème de l'ASI, c'est que tu ne peux pas utiliser, tu es obligé d'utiliser leur logiciel. Ouais, moi, je ne suis pas. C'est pas, je dis pas que c'est, je dis pas que c'est pas bien. Attention, il faut bien comprendre. C'est que je pars du principe quand tu maîtrises un logiciel et un système d'acquisition, pourquoi changer? Ça, c'est le même principe que l'informatique. Il y a 2 ans, quand j'ai changé mon PC, des collègues m'ont dit « Attends, encore sous XP ». Ben, j'ai dit « Ça marche. Je vais pas changer d'ordinateur pour mettre en Windows 10. Donc ça marche, on ne change pas une équipe qui gagne. » L'avantage d'avoir un mini PC au-dessus, c'est que ça coûte pas cher. Voilà. Par contre, en remote, attention. Tu peux le changer, tu n'es pas obligé de changer. Voilà. Attention, en remote, j'ai oublié de marquer quelque chose. Ah, tiens, ça c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. Il faut faire attention, il faut obligatoirement un PC, un ordinateur, qui démarre lorsqu'on lui met le courant, quand on l'alimente. Tout, alors, les NUC le font tous, les mini-PC, je ne sais pas des PC. Oui, non, mais ce que je veux dire, par exemple, tu prends une tour, les PC tour ou les PC portables, quand tu branches sur le secteur, il ne démarre pas. Pour qu'il démarre, il faut que dans le BIOS, on ait la fonction AC Power ou rétablissement de redémarrage après rétablissement de l'alimentation. Dès qu'il y a une alim qui fourre, il démarre. Voilà. Alors les NUC, oui, dans les NUC c'est prévu, parce que les NUC à la base sont des outils qui ont été faits pour mettre dans des baies de gestion à distance. Ça a été fait pour. Les mini PC industriels, un peu comme le tien là, c'est prévu aussi, mais je dis attention, il faut être sûr qu'ils le fassent. Quoi. Les NUC le font. Il faut tester chez soi avant de s'installer. Quoi. Bah, il faut vérifier est-ce que le PC qu'on a choisi le fait. Même avant de l'acheter, je dirais. Mais bon, hein, les NUC le font. Le seul inconvénient des NUC, c'est que maintenant, depuis que l'USB-C est sorti, maintenant tous les NUC qui arrivent sur le marché n'ont que 3 USB et un USB-C. D'où l'utilité du Pegasus. Alors là, j'ai USB-C d'Aline. J'ai 4 USB-3. Oui, non, mais voilà, parce que toi, c'est un mini PC industriel. Ouais. Voilà. Donc c'est. Alors une autre question, mais qui est un petit peu, enfin oui, c'est quand même une question un peu matérielle quand même, qui est certainement y être confronté, c'est la poussière sur les instruments. Il faut des protections, qu'on peut commander aussi à distance, des trucs qui se rabattent. Oui, les volets comme j'ai mis, ouais, les snapcaps et tout ça, les ouais, volets. Ça, ouais. Oui, bien sûr. Dans un cas classique de réfracteur, par exemple, c'est une. Ouais, mais il faut pas le faire tout de suite. Il faut attendre que l'humidité soit partie. Parce que en fonction de la période de l'année, on peut être confronté à de l'humidité de 80%, par exemple. Ouais, mais alors, tu n'as pas d'humidité sur l'optique à partir du moment où tu mets un résistant chauffant. Ouais, mais nous, ce qu'on fait, on a conseillé ça aux clients, et c'est ce qu'ils font aussi. Nous, maintenant, on ouvre l'observatoire en journée, pendant 2 heures, pour ventiler et tout ça, et après, il referme. Humidité ambiante, ouais. Voilà. Parce qu'on s'est posé les questions où on est, là, au Portugal, sur l'humidité. Et en fait, on s'est aperçu qu'en Espagne, c'était pareil. Donc, en fait, c'est la région qui veut ça. En automne, il y a un taux d'humidité assez important. Avec les variations de température aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on gère les plaques? Ce sont des écrans indépendants? Ce sont des trucs qu'on rabat sur le. Non, nous, on ne s'embête pas. On fait ça sur le ciel. Sur le ciel? Ouais, ça marche très bien. Max Pilote à la programme. Bah justement, en fait, quand les gens nous demandent de faire des flaps, bah on ouvre le toit une demi-heure, trois quarts d'heure plus tôt. Et puis voilà. Et Max, par exemple, je prends le cas de Max Pilote, ça marche très bien, les flaps sur le ciel, ça marche bien, c'est un automatique. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir un logiciel qui mesure l'ADU, dans lequel on va pouvoir fixer les limites d'ADU du flat. Et puis bah, il lance des pauses, et les pauses, il fait une lecture à chaque fois sur chaque image, le temps de trouver le bon ADU. Et puis voilà. Donc le plus galère, bah, c'est les filtres 3 nanomètres et ça chauffe. Là, effectivement, il faut démarrer quasiment une heure avant le coucher du soleil, parce que bah, 3 nanomètres, en plein jour, il n'y a pas grand chose qui passe. Il n'y a pas grand chose. En début de soirée, il n'y a pas grand chose. Sinon, un peu plus pour le confort, la mesure du SQM. Oui, c'est ce que j'ai mis. On a la mesure du SQM. Moi, personnellement, je trouve qu'avec la OutSky, c'est ce que je disais tout à l'heure, la OutSky nous permet déjà de voir un peu si le ciel n'est pas moche. Ouais, puis question subsidiaire,
est-ce qu'il existe un dispositif automatique pour donner les coordonnées aux 5 gardes? Bravo Claude. Alors la sécurité, pareil, je prends l'exemple chez nous au Portugal, il y a l'art et il n'y a pas le chien de garde, c'est pas un chien, c'est un veau, et il y en a deux. Quand on les voit, on part en courant. Quand je dis des veaux, c'est pas des veaux, c'est des chiens, mais qui ont des têtes de veau. Il doit faire un mètre au garrot. Donc c'est assez impressionnant. Mais ils sont très gentils, une fois qu'ils ont mordu ou qu'ils ont vu que c'était la bonne bidose, ils sont calés. Voilà, ils sont calés, c'est bon. Non, non, mais c'est, bah, y a vidéo, il y a grillage, il y a vidéo, il y a... C'est vrai que ça va prendre en considération. Ah, bah, après, en fonction de l'endroit où on est, oui, c'est à prendre en considération, mais... voilà. Voilà. Bon, alors, ce qui concerne, c'est... Ah non, c'est pas tout. T'as les questions que tu avais évoquées hier soir. Qu'est-ce qui se passe quand un instrument passe le méridien? Le retournement, c'est-à-dire que avant le retournement, les comptes au poids ils sont mis à une certaine. Oui, mais ça, c'est. Et après le bon. Le retournement, il y aura des équilibres. L'équilibre est inversé, puis tu as des échappements, il va y avoir une poussée sur la. Oui, mais ça, à partir du moment où tu es à distance, nous, on n'y touche pas. On n'a pas. Au pire, tu vas acheter une pause ou deux, c'est tout. On n'a pas de souci de ce côté-là. Pour se mettre à l'abri, c'est peut-être mieux d'avoir une monture en codeur direct là-bas. Ah, bah oui, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme l'autoguidage. Après, si on a le porte-monnaie ouvert et puis qu'on peut dépenser tout ce qu'on veut, on n'est pas embêté. Mais voilà. Tu prends une 3000, une 10 microns, 3000 HPS et puis t'es peinard. Mais bon, tout le monde n'a pas le budget. Non, moi je vois sur la Z8-6, on n'a aucun souci. Si, les soucis qu'on a, c'est le souci qu'ont toutes les montures, c'est quand on shoot au nord. Le moment où la monture va se retrouver quasiment en position de démarrage, avec la lunette orientée plein nord, la barre de contrepoids vers le sol, où l'équilibre justement est merdique, parce que la barre de contrepoids est quasiment en bas, et ça, que tu, si tu n'as pas effectivement une monture en codeur, c'est aucune monture n'est capable de le gérer. Ça. Moi, on a fait des tests sur les EQ8, sur les AZ-EQ6, sur la Losmandy, sur... Il n'y a aucun... Même moi sur ma Paramount, j'avais ce problème-là sur ma ME2, parce que je n'ai pas d'encodeur. Quand on est en position, ce qu'on appelle position de démarrage, toutes les montures ont ce problème-là. Mais là, ce n'est pas lié à la monture, c'est lié à la position des contrepoids et l'instrument, où on n'est pas en appui ni d'un côté ni de l'autre. Donc on va dire que le quart d'heure qui suit 5 minutes avant, 5 minutes après, c'est galère. Voilà. Tu peux définir certaines positions de démarrage différentes. Non, mais c'est pas ça quand tu es en train d'imager au nord. Quand tu images au nord et que la barre de contrepoids se trouve bien vers le bas, bah t'es une galère parce que voilà. Et ça, on en a parlé à différentes personnes, il n'y a pas de solution. Puisque tu es en position, tu es en équilibre. Mais même quand tu fais chez toi, tu es dans le remote, c'est le même problème. Ah bah oui, non, mais c'est cette position-là, la fameuse, c'est ce qu'ils appellent la position CMD chez Losmandy, la position de la haute position chez Skywatcher, tout ça. C'est une position battable qui, de toute façon, ne convient à aucune monture. Si, celle qu'on a mis au Portugal, ben là, ça, oui, effectivement. Là, ça lui convient bien. Mais bon, c'est une monture direct drame, on n'a pas souci d'autre. Puisque c'est du direct drame, c'est vrai que c'est différent. Mais c'est, voilà, on en revient toujours au même problème. Il faut des encodeurs ou du direct drame, mais comme, voilà, c'est toujours pareil. C'est un peu la solution. On n'est plus à. Hein, c'est plus une AZ-EQ6 à 2000 euros. Quoi. Et voilà. Toujours pareil. Oui. J'ai trois questions, c'est possible? Vas-y. Première question, avantage et inconvénient du toit ouvrant par rapport à la coupole. Deuxième question, de façon précise, c'est quoi un Pegasus? Je pense qu'il y a pas mal. Ah oui, bah c'est de la faute à Claude. Voilà. Et trois, c'est quoi l'Asie? Voilà, c'est de la faute à Claude. Alors, en fait, ASI, c'est les caméras ZWO. Ouais. Hein, et ZWO, en fait, a sorti un petit boîtier, c'est un petit ordinateur qui permet de piloter l'ensemble de son matériel.
Donc c'est un tout petit boîtier qui peut se mettre sur la lunette ou le télescope, qui regroupe tous le, les logiciels d'acquisition. Bah, je ne sais pas s'il a le sien avec lui. Non, c'est pas, je ne sais pas la vie, mais j'ai un équivalent. Voilà. Bah, c'est ça. C'est l'équivalent. Ça, c'est un Raspberry Pi. Oui. C'est avec ça que j'ai fait les photos hier soir. Voilà. C'est l'équivalent. C'est l'équivalent. C'est l'équivalent. C'est en fait la base de la filière. C'est Indy, c'est Ecos, voilà. C'est tout ça. Ecos, Indy, c'est totalement gratuit, c'est open source. Donc du coup, Brasier a repris les codes et a fait des améliorations matérielles et aussi dans l'interface, voilà, pour que ce soit plus convivial. Quoi. Mais en fait, c'est le même. Là-bas, c'est du Raspberry, oui, tout à fait. Ouais. Moi, c'est un truc qui est. Ça explique le prix un peu plus élevé sur l'Asie. Ah, d'accord. C'est toutes les améliorations de confort. Alors, le Pegasus. Le Pegasus, justement, alors on s'est aperçu que selon les fabricants, quand tu démarres l'ordinateur et que tu démarres tes périphériques, caméra ou un filtre, tout ça, des fois on avait des problèmes, ça c'est lié à merci Windows. Ou merci l'informatique, on a des problèmes de port com. Ouais. Donc l'avantage du Pegasus, le premier avantage du Pegasus, c'est qu'on va pouvoir éteindre un port com, on a un port USB, et le redémarrer. Pourquoi ? Parce que ça arrive des fois que, même moi ça m'arrive, des fois j'avais une voie filtre, il fallait que je la débranche et que je la rebranche pour qu'elle fonctionne. Quand tu es dans ton lit à Brest, l'observatoire est sur un. À 78 bornes pour aller déconnecter une USB. Enfin, bref. Alors ça, c'est la première chose. On peut gérer les ports USB, les déconnecter, les reconnecter. On peut également mettre en route, il y a quatre sorties, il y a quatre relais 12 volts. Donc on envoie du 12 volts 10 ampères sur le Pegasus et on va pouvoir mettre en route des sorties. On a quatre sorties qui peuvent se mettre en route. Et on a également trois sorties pour des résistances chauffantes. Et une sonde de température hygrométrie. Et on va pouvoir programmer la puissance maximum des sorties et activer la gestion automatique. C'est-à-dire qu'en fonction du taux d'humidité relevé par la sonde, la puissance de la résistance des résistances chauffantes vont augmenter ou diminuer. Voilà. Ça, c'est ça le Pegasus. Pour info, c'est une bagatelle à 588 euros. Ah, d'accord. Ça permet d'avoir connaissance aussi de l'ampérage que tu vois sur cette sorte. Voilà, et en plus on a l'ampérage, on génère un fichier log et tout. Non, c'est un joujou qui n'est pas donné parce que c'est une petite boîte qui fait ça, mais par contre c'est fiable et c'est parfait, c'est excellent. Ça marche très très bien. C'est en remote, ça peut être utile. Et la dernière question, c'était la coupole Alors, par rapport à la coupole. La coupole, avantage de la coupole, c'est que l'instrument il est à l'intérieur, donc quelle que soit la position, une coupole il est obligatoirement à l'intérieur. Donc quelle que soit la position, on peut fermer la coupole, on ne tapera jamais dans l'instrument. L'inconvénient, si on n'est pas bricoleur, c'est le coup. Ah oui, c'est pas joli. Bon, là c'est une fabrication maison. Même le dos. La coupole, c'est nous qui l'avons fabriqué. Bon. Ah bon. Okay. Je me suis bien dit. Tout en bois. D'accord. J'ai fait comme un bateau. J'ai découpé. Oui, petit morceau par petit morceau. Ah non, j'ai découpé des coupes, la défonceuse et tout dans le garage. Ah. C'était pas. Des kilos de poussière. Kilos de sueur. Bon, enfin bref. Voilà. Le toit roulant. Avantage du toit roulant, très facile à faire soi-même. Voilà. Par contre, l'inconvénient, c'est où il faut gérer, c'est l'histoire du pignon. C'est-à-dire que. Si on est capable de fabriquer un ensemble, si on veut pouvoir ouvrir et refermer sans que l'instrument, quelle que soit la position de l'instrument, et pouvoir viser assez bas, ça va faire un toit relativement haut, parce qu'il faut quand même une structure haute pour tenir le toit, pour tenir les fers. Quoi. Donc c'est assez massif. Quoi. La preuve, hein, nous on a, je sais pas si vous... Le truc est immense, il est énorme. Pourquoi ? Parce qu'on a mis un pignon amovible et on a voulu justement assurer la sécurité que nous, même les gars qui viennent, pouvoir refermer quelle que soit la hauteur. Là, on vise à 23 degrés d'altitude. Donc on est large. Voilà.
Généralement, on chute rarement en dessous de 30 oui. degrés. Le toit, comme il est fait, oui. est-ce qu'il y a une ferme en haut ou est-ce qu'il n'y a même pas de ferme? Alors, c'est des fermes qui sont comme ceci. Il y a trois fermes comme ceci ouais. et des barres comme ceci. Ouais, est-ce qu'il y en a une sommitale? Non. Celle du haut, le triangle, il est comme ça, on va dire. Bon, c'est pas un triangle, mais il était comme ça. Est-ce qu'il y en a une en haut comme ça sur toute la longueur? Il n'y a pas de fêtage. Il n'y a pas de fêtage, voilà, fêtage. Non, mais c'est du carré, en fait. Les fermes sont enquillées, sont ouais. enquillées là, et on a des barres d'acier comme ça. On en a trois. Une, deux, trois. En haut, au milieu et en bas. Il faudrait que je vous montre les photos. S'il y en a une en haut, donc le triangle, on va dire qu'il est comme ça, le triangle, j'ai compris. Oui. Alors, ça vient on faire. Va couper court, on va couper court. Là, notre astroaro.fr, il y a toutes les photos de la construction. Astroaro.fr. Aro, pointe de tri. Aéro. 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 Astroaro. Bah, d'ailleurs, on va se retrouver. Ok. Astroaro. Sur le site, il y a toutes les photos de la construction. Donc, que ça soit. En France, l'observatoire, parce que l'observatoire était fabriqué en France. D'accord. Hein? Et après, on est là-bas, et il y a toute la construction là-bas aussi. Parce que là, moi, j'ai plus ça en tête. Non, non, exactement. Puis ça, c'est le coloc café. Moi, j'ai fait une coupole parce que je préférais travailler le bois. Je ne sais pas souder par un peu. Donc, et puis à l'époque, je n'ai pas eu cette idée-là. Il faut pas avoir toutes les bonnes idées. Ouais. Voilà. Ok. Non. C'est des questions? Questions? Non, c'est bon. Plus de questions? Claude, plus de questions? Pour moi, c'est bon. J'ai la réponse. D'accord. J'ai la réponse. Mathieu, pas de questions non plus? Non. Il n'y a plus de questions de personne. Non, non. Je vais vous poser la question en fait du budget et le site. Le budget, pourquoi tu parlais? Quel mensuel en fait? Quand on parle matériel, combien est-ce que ça coûte en fait? C'est ça, un observatoire? Ah, pour héberger? D'accord, l'hébergement du télescope, tu dis? Ouais, bah ça sur le site, t'as tous les tarifs. Merci. Voilà. Ouais. Bon, on clôt l'enregistrement. J'espère que ça vous a plu et que vous me ferez des petits pouces dans le bon sens. Et puis à bientôt.